Et coucou YouTube, c'est Bifarmate4, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, et j'espère surtout les amis que vous pétez la forme. Bienvenue les amis pour la suite de cette aventure sur le jeu de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. On est là pour le 18ème épisode. Avant de commencer quoi que ce soit les amis, je tenais à vous remercier du fond du cœur de votre encouragement, de votre soutien. Cela me fait extrêmement plaisir, grâce aux likes, aux commentaires, aux partages de vidéos, ceux qui rejoignent les réseaux sociaux, ceux qui s'abonnent, ceux qui activent la fameuse petite cloche. Et merci à tous ceux qui désactivent Adblock, une façon totalement gratuite de pouvoir m'aider. Sur ce les amis, c'est parti, let's go. On va tout simplement continuer la suite de cette aventure. Juste auparavant les amis, j'étais en train de faire le défi de Merlin. Et pour ceux qui n'ont pas compris, là il va falloir que j'utilise un sort qui s'appelle Flipendo. Et là en gros, en dessous du caillou ici même, vous avez un symbole. Et là bah, il faut tout simplement le changer, histoire de le mettre sur le bon truc. Je crois qu'il y en avait un deuxième un peu plus bas. Et le troisième je crois qu'il est vers là-bas les amis. Donc on va y aller directement. Hop là. Tac. Tac, 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 c'est pas ça. Alors attendez. Attendez, c'est quoi ce... Non, attendez. Il est où le symbole? C'est bon. Là, je l'ai bien fait, les amis. Ok. Il manque celui-là. En fait, il faut tourner un petit peu partout et le tourner de bon sens. Je pense que vous avez compris que ça se tourne automatiquement. Nuit, j'aurais peut-être dû en profiter pour faire mon défi, vous savez les amis. Alors, attendez, comme ça non? Voilà, c'est bon. Le dernier il est là. Je pense que celui-là les amis, je l'ai mal fait. Exactement. Deux fois logiquement. Non! Non, je me suis trompé! Non! Ça doit être bon. Je me suis trompé, je voulais inverser, sauf que j'ai tapé sur l'autre côté. J'ai fait non, mauvais sens. Bon sang, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, mon ami, je me suis trompé, quoi. Ça arrive! Faut que j'aille direction Poudlard les amis, ou faut que je le fasse tout de suite. Soit Poudlard, soit Poudlard. Je pense que je vais aller à Poudlard. Poudlard les amis, faut que je rentre dans tous les bâtiments et il faut que je le trouve la statue. Faut que je la trouve. Le pire dans toutes les missions que j'ai faites, il me semble que je les avais vues en plus les statues que je voulais. Attends, je me demande si d'ailleurs dans celle-ci il n'y en a pas une. Non, il n'y en a pas. Non, je me suis trompé de boutique, c'est pas celle-ci. Alors attendez. Là, j'arrive. Ici, il n'y en a pas une.
Il était pas en haut. Tu es à moi à présent, demi-guise. Ouh! Rebellio. Tu l'as dit! Ah oui! Dans l'autre pièce. La pièce qui est derrière. C'est bon. Lumos. Lumos. Excuse-moi. Où je trouve les autres? Donc là j'en ai 3. Où je trouve les autres? Mais non, je peux pas voler. J'allais dire, je vais voler pour essayer de voir. Mais non, je peux pas. Y'a pas ici. Oh, attendez, faut que je regarde sur la carte. Je suis où? Je suis là. Potion de. Justement, de potions, y'en a pas? Peut-être que si. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Y'a que la nuque, je peux les trouver. Merci Rebellion. D'avoir apporté ces potions à Madame Lawang. Je vous dois une fière chandelle. Y'a pas! Après, au-delà, je vois à peu près où il y en a un. Je suis en train de, au fait, de me le penser visuellement dans ma tête. Comme si je fermais mes yeux, que je visualise le terrain, etc. Je parle trop vite. Il y en a, je les vois. Hein. Je suis à bout dans un instant. Le problème, c'est qu'il faudrait que j'y aille, quoi, mais... Il n'y en a pas un vieux bâtiment là-bas? Rebellion. Je suis jamais rentré dedans. Pas souvenir. Rebellio. Confringo. Confringo. Expelliarmus. J'ai pas le temps. Le timing les amis, le timing, je vous rappelle que je peux le voir que durant la nuit, sinon je ne peux pas les ramasser. J'aurais peut-être dû aller après Oudlard. Peut-être pas fait le bon choix. Je sais pas pourquoi je sens que c'est une perte de temps. Ici, il doit en avoir 2 autres, pas plus je pense en vrai. Ah, j'ai perdu mon temps, j'aurais pas dû venir. Vite, 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 vite. De toute façon, après les autres trucs, je pense que c'est que dans les magasins que je les ai vus. Hein. Préolard, me voilà. J'espère que tu vas le bonhomme. Je ne suis pas certaine qu'il m'en reste. Flipendo. Contente que vous ayez réglé leur compte à ces horribles gobelins. Vous vous êtes débarrassé de ces mages noirs? Ouais, je m'en suis débarrassé, oui. Mince. Il est là-bas l'autre. Allez, perds pas de temps. Oui, c'est bon, j'ai compris, je peux rentrer dedans, mais j'ai pas le temps.
On essaiera de voir ça plus tard. Shadow Knight. Ouais, mais je sais, mais c'est ça en fait. Mince. Je pense que je vais foncer directement après au-delà. Je vais aller après au-delà. Je vais pas perdre de temps. Poudlard. Je sais pas pourquoi je dis Poudlard alors que j'y suis. Ça va? Oui. Oui, ça va, on peut dire ça comme ça, oui. Mince. Il y en avait un là. Si mes souvenirs sont bons. Non? J'aurais rêvé? Ah, mais je crois que je l'avais déjà pris. C'est dans quelle pièce dans le château? Le tour d'astronomie, peut-être. Je suis sûr que quand j'ai fait des missions principales... Il y en a un, deux... Il y en avait trois. Rébellion. Il y en avait trois, j'en suis sûr. Et là, vous allez voir. Hein. J'en suis sûr à 100%. Pour les retrouver, les amis, je vais galérer. Alors que le pire, c'est que je suis passé littéralement à côté. Hein. Le télescope d'astronomie. Ce télescope est le meilleur instrument du marché pour observer le ciel. Il est idéal pour admirer la lune, les étoiles et tout ce que l'on peut trouver dans le ciel. Trouvons la nuit, je crois. J'ai pas eu le temps. Je suis allé vachement vite. Comme je vous ai dit, on est pressé, les amis. C'est quoi ça, déjà flamme? Hop là. Allez, rappelle-toi, Mipha. C'était où déjà? Rappelle-toi. Salle des sortilèges. C'était des missions principales où je rentrais dedans, je montais les marches et je faisais la mission principale avec les personnes concernées. Rébellion. Puis il y a tellement de trucs ici. La tapisserie de Barnabas le Follet. Cette tapisserie qui représente la tentative désastreuse du sorcier Barnabas le Follet d'enseigner la danse classique à des trolls. Laisse imaginer l'impact que cela aurait eu sur l'art s'il avait réussi. Enfin, je pense surtout qu'il a dû se faire... Il a dû se faire pétard ou quoi. La salle sur demande. Il n'y en a pas un dans la salle sur demande. Dans la pièce... Pas la première, mais la deuxième. Ah, Chick est très heureux de vous voir. Chick a remarqué ce sac dans la salle l'autre jour. Vous en aurez sûrement besoin pour vos études. Chick a déjà vu ce genre de choses. Chick appelle ça un sac de capture. C'était pour les créatures. C'est ça qui me manquait. C'est ça qui me manquait. Il sert à récupérer et transporter des créatures. Une brise bienvenue. J'ai réfléchi à ce qu'a dit le professeur Owen pendant le cours sur les créatures magiques, que je devrais étudier un maximum de créatures durant mon temps libre.
Elle a aussi précisé que des braconniers étaient actifs dans la région. Ces créatures seront peut-être plus en sécurité avec nous que dans la nature. C'est exactement ce que pensait Chick. Vous voyez, la salle savait exactement ce qu'il vous fallait. Ah ouais. Par chance, Chick peut vous dire où et comment utiliser le sac de capture. Bah, je sais où aller et je sais les capturer en fait. Par ici, je vous prie. J'ai une idée en tête maintenant que j'ai. Faudrait que j'appuie sur la touche quand je m'approche d'eux suffisamment. La table se trouve hors des terres du château. Nous pouvons y aller maintenant ou vous pouvez y rejoindre Chick quand vous voudrez. On va le faire. Apprenez-moi à me servir du sac de capture. Parfait. Chick se charge de tout. Vous imaginez qu'en fait, c'était dans le dernier épisode, je crois, même l'avant-dernier, où j'étais en train de chercher des créatures. Je ne me rapprochais suffisamment, mais je pouvais pas les capturer parce que j'avais pas le sac. Je me rappelle que quand on avait fait le cours sur les créatures, ils avaient dit qu'il fallait quelque chose pour les capturer. Un vil braconnier. Chick a détesté devoir le servir. Chick peut encore sentir le sang de ces créatures sur ses mains. Oh. C'est à cette époque que Chick a vu un sac de capture pour la première fois. Oh, il serait agréable d'en utiliser un pour faire le bien. Nous sommes arrivés. Chick adore venir ici pour observer ces créatures. Surtout le groupe de Boursouf non loin. Je serai heureux de les voir en sécurité. Il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction voilà, c'est de ça. Boursouf bah oui. Pour qu'il y entre. D'accord. Faut être suffisamment prêt pour pouvoir l'utiliser. Appuyez sur T pour déplacer le curseur au-dessus du sac de capture et maintenez. Faites glisser. Ouais, donc en gros je fais ça. Moi je sais comment faire. Je me mets en invisible. Et je vais m'en approcher assez et puis je vais essayer de le capturer directement. Voilà. J'ai réussi à récupérer un boursouf. Bah ouais. Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture. Les braconniers capturent les boursoufs et Chick ne sait pas ce qu'ils font avec. Chick sait qu'ils seront plus en sécurité avec vous. Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le boursouf. Pour la suite, Chick vous suggère de capturer une créature volante. Un jobarbie, peut-être? Très bien. Où puis-je en trouver un? Chick sait qu'il y en a à l'ouest, niché dans un arbre qui surplombe Poudlard. Mais il faudra faire attention. Chick a vu des braconniers dans le coin. Chick vous y retrouvera quand vous le voudrez. On va le faire. Attendez, c'est quoi exactement que j'ai capturé comme inventaire ici, créature? C'est une femelle? Est-ce que je capturerai pas un mâle? Pour faire un couple, non? Ça me paraît très logique, hein. Dans tous les jeux vidéo, c'est ce qu'on fait en général. Peut-être que je me trompe après, je ne sais pas. C'est... Là, je suis en train de me poser la question. J'ai encore un point de talon, etc., les amis. Faut un mal. Hop là. Parfait. Allez. Let's go. C'est au-dessus là-bas? Une créature volante, il a dit. Je vois pas laquelle c'est. Faudra qu'on le fasse, ça. Hop là. Bon.
Bonjour, Chick. On continue ? Oh, excellent. Chick se faisait du souci pour vous avec tous ces braconniers. Créature volante, je prends mon sort, je la tire vers moi. Et après, je la capture. Sinon, je fais ça, je la glace et je la capture. Utilisez les vieux pour ralentir des créatures volantes et faciliter leur capture. Et si je ne trouve pas de créatures dans leur habitat naturel ? Les créatures ne s'éloignent jamais beaucoup de leur territoire. Ouvrez l'œil ou attendez leur retour. Tu as des conseils qui pourraient m'aider à sauver les créatures les plus vives ? L'Evioso permet non seulement de capturer les créatures volantes, mais également celles qui sont difficiles à attraper. Servez-vous-en la prochaine fois que vous rencontrerez une créature particulièrement vive. Est-ce que tu pourrais me donner un peu plus de détails sur ton travail avec ton ancien maître ? Le maître de Chick n'était pas tendre avec les créatures, ni avec Chick. Il ne nous voyait que comme une source de revenus. Il en faisait des potions, ou s'en servait pour le travail, et... Chick n'en dira pas plus. Oula, 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 oula. D'être à Poudlard, où il peut prendre soin des créatures et expier les fautes commises sous les ordres de son maître. Alors, je vais essayer de sauver un Jobarbille. Bonne chance, Chick attendra votre retour. Les vieux sauts, alors. Celui-là, je crois. Chut, dites rien, s'il vous plaît. C'est pas lui hein, que j'ai volé. J'essaye seulement de t'aider. C'était pas lui hein. Ah ok, c'est deux fois. J'ai compris. Sauf que c'était pas lui que je voulais de base. Et je crois que... Ils font exprès que tu captures celui-là et pas un autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste pour le tuto et après vous capturez ce que vous voulez. Ça c'est une femelle. Je vais essayer de capturer un mâle du coup. Parfait. Allez hop, comme ça j'ai le mâle et la femelle. J'ai récupéré un Jobarbille. Chick espère que votre Jobarbille appréciera le confort du sac. Les braconniers en ont après leurs plumes et ils n'y vont pas de main morte. Y a-t-il d'autres créatures dans les alentours ? Chick a découvert l'existence d'un troupeau de vaudelunes. Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin. Chick vous retrouvera là-bas. Au bout de ce chemin ? C'est pas ça que je veux faire. Bonjour Chick, c'est la clairière dont tu parlais ? Oui, les vaudelunes se rassemblent près du grand arbre au motif en spirale, mais seulement la nuit, à la lumière de la lune. Malheureusement, à moins que vous soyez capable d'accélérer le temps, vous devrez attendre la nuit pour les voir. Ah, donc il y a aussi des créatures durant la nuit ? Comment es-tu arrivé à Poudlard après avoir quitté ton ancien maître ? L'ancien maître de Chick n'avait pas de famille. Alors, quand il est mort, tous ces elfes de maison ont été relogés par le ministère. Chick a eu de la chance, car il a été envoyé à Poudlard. Ses amis n'ont pas eu cette chance. Alors je vais trouver un vaudelune. Chick attendra votre retour. Et c'est vrai que pour les défis du machin, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse ça justement, ouvrir la carte et appuyer sur F, attendre que la nuit soit là. J'aurais dû faire ça pour les autres objectifs, c'est vrai que j'aurais pu le faire. Mais je l'ai pas fait. Bon, c'est comme ça, ça arrive. Ouais, laissez-moi tranquille. C'est eux les créatures ?
trois fois cela. Donc là j'ai capturé un mâle. Et comme d'habitude les amis, vous le savez tous, je vais essayer de capturer une femelle. J'ai pas capturé les mêmes, j'espère. Non, c'est bon. Non. Ah! Il a été plus difficile à capturer que les autres, mais maintenant j'ai un veau de lune. Une autre créature a été sauvée. Ouais. Dommage qu'on n'ait pas vu les veaux de lune danser. C'est très beau. Chick suppose que vous avez terminé. Vous pourrez sauver plus de créatures, mais rapportons déjà celles que vous avez attrapées dans la salle sur demande. Ah, c'est dans la salle sur demande que... La salle sur demande, quand vous le voudrez. Oh, c'est trop bien ça. Ok. Est-ce que j'irai pas capturer d'autres créatures qu'on a pu rencontrer à certains endroits ? Remarque, non, attendez, vous savez quoi? On va faire les choses dans l'ordre. On va aller à Boudlard, on va finir cette quête-là. J'aurais dû me TP directement dans la pièce, au lieu de me TP dans un truc... Oui, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est juste à côté. Hop là. Parfait, c'est ici. Il est en train de nettoyer au passage, vous avez vu. Vous voilà. Il faut introduire les créatures que vous avez sauvées à leur nouvelle maison. Mais il n'y a pas assez de place pour elles ici. Ah. Imaginez toutes ces créatures en liberté, ce serait une catastrophe. Si vous vous concentrez sur ce dont vos créatures ont besoin, la salle pourrait vous le fournir. À quoi avez-vous pensé exactement? Incroyable! Vous avez réussi! De quoi s'agit-il? Chick n'est pas sûr. Il n'y a qu'un seul moyen pour rentrer dedans. Savoir. Eh oui. Oh, un autre monde! Un monde dans un truc. Ah ouais, ça j'adore. C'est trop bien. Wouah! Excellent. Regardez ça, c'est incroyable. Ouais, j'aime. Est-ce qu'on est, Chick? Il semble que ce soit un lieu où vos créatures peuvent vivre, une sorte de vivarium. Vos créatures vont beaucoup se plaire ici. Elles mèneront une vie sûre et paisible. Vous voulez peut-être les relâcher. C'est magnifique. Ouvrir leur nouvel habitat. Appuyez sur H. Ah, j'ai juste à cliquer dessus, ça les met dedans. Ok. Chick pense que le vivarium sera parfaitement adapté à vos créatures. C'est vrai. J'espère seulement que nous aurons assez de place pour chacune. Chick l'espère. Mais si vous venez à en manquer, Madame Peck de chez Pic et Peck à Préolard vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle? Oui. Elle a la réputation d'aider les créatures en danger. D'ailleurs,
Les créatures bien nourries et bien soignées vous fourniront des matières premières magiques précieuses, comme des poils de boursouf. Ah, donc ça sert à faire des choses. De matières premières magiques, Chic vous montrera comment les utiliser. Parfait. Je te préviendrai lorsque j'en aurai. Intéressant. Si vous occupez de bien de vos créatures... Ok, alors attends, je vais le faire. Mais attends, j'aimerais... Ouais. J'ai pas besoin de maintenir, ok. Donc là... D'accord. J'imagine que je dois faire les deux en même temps, non? Ah, ok, ouais, c'est les deux en même temps. C'est trop bien fait ça. J'adore. Ah ouais. Excellent. Et piou piou. Quand je me dis qu'un jeu vidéo comme eux savent faire des choses comme ça, je me dis pourquoi sur les autres jeux vidéo on ne voit pas des choses pareilles. Je me pose toujours la question. Si eux ils ont réussi, pourquoi pas les autres? J'ai récupéré des matières premières magiques, Chic. Chic va vous montrer comment les utiliser. Commencez par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de ce créasor. Un métier à tisser enchanté? Exactement! Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur octroyer bien des propriétés utiles. Pourquoi ne pas essayer ? Chic pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Très bien, Chic. Je vais essayer le métier à tisser. C'est incroyable. Hein. Alors... C'était déjà quoi? C'était ça, non? Non, celui-là, je crois. Ajouter un tribut à un vêtement. Ok. L'équipement dispose d'un compteur principal pour les stats. Ok, l'offensive et la défense. Ok, utilisez des matières premières magiques sur le métier à tisser. Enchanté pour améliorer votre équipement et ajouter un deuxième compteur. Ok, de stats ou appliquer des attributs. Vous pouvez sauver de nouveaux animaux dans le repère à créatures ou les déverrouiller lors de quêtes. De nouveaux attributs peuvent être obtenus auprès des campements de bandits. Ok. Donc admettons, j'en prends un qui me plaît. Bah celui qui me plaît, maintenant il me reste plus que celui-là. D'accord. Et donc si je fais ça, ça améliore de 4. Et après il me faut de la fourrure de Nifleur. D'accord. Donc là, admettons, j'en prends un autre qui me plaît. Comme celui-là. Mais là, c'est pareil. Et après, il me faudra les plumes de Faucifère. Et donc là, je fais pareil pour un autre. Donc celui-là, par exemple. Là, il me faut de la fourrure de Vaudelune. Vaudelune. Donc là, il me faudra de la plume de Faucifère et de Vaudelune. Ok. C'est excellent. Là, il me faudra de la fourrure. Et là, des plumes.
c'est bon. Mais je viens de le faire là, non? Qu'est-ce qui me prend la tête là? Je vais le faire, les amis, je comprends pas. Là, c'est fait. Ah, afficher les attributs. Oh, ok, my bad. J'avais pas compris, excusez-moi. Dégâts infligés par les quais, dégâts infligés par les gobelins, les araignées, dégâts accrus. Oh. Ah oui, d'accord. Bah, par exemple, je vais mettre celui-là. Ça s'est bien passé. Je ok. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser? Oui, en sauvant des créatures plus puissantes. Mais pour le moment, Chick vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Le métier à tisser peut-il améliorer n'importe quel vêtement? Non, seulement les vêtements de qualité supérieure. Vous trouverez sûrement d'autres vêtements exceptionnels au fil de vos explorations. Je comprends mieux. Chick sait également que certaines boutiques de Préolar vendent des vêtements qui peuvent être améliorés. Ah, donc rien ne m'empêche d'améliorer des vêtements et de les vendre plus tard. Il va faire plus d'argent. Merci pour ton aide, Chick. Intéressant. Ok. Alors attendez, c'est quoi que j'ai amélioré là? C'est ça, hein? Est-ce que je vais pas améliorer mes gants? Ok. Je peux en mettre plusieurs. Non, c'est l'un ou l'autre. Ok. Ouais, donc en fait, il faut faire des combos entre les trucs. Intéressant. C'est excellent ça. Il m'a dit par contre de revenir et de les apprendre encore plus. Donc là il y a aussi un timer. Ah il y a quelques objets aussi qui sont déjà mis au fait dans le vivarium. Regardez. Merci. D'accord, ok. Intéressant. Bon là je pense que je les ai toutes faites hein. Là ce que je vais faire à la limite, c'est peut-être essayer de voir s'il n'y en a pas ailleurs que je pourrais trouver. Carte du monde. On va essayer de se taper à des endroits et essayer de voir si j'en trouve pas. On va essayer de voir les amis, juste en attraper une ou deux et essayer de voir. Je vous rappelle que j'avais laissé des créatures à certains endroits. Hein. Je le lance à côté. Déjà mort. Ok. Je sais reconnaître une épreuve de merde. On le fera plus tard. On est parti pour chercher des créatures, les amis.
Il y en a un là-bas. Je me suis trompé de touche, excusez-moi. C'est bon, je l'ai, mais c'est de justesse, hein, parce que je me suis trompé de touche encore une nouvelle fois. Calme-toi, je ne te veux aucun. Alors là, c'est un mâle que j'ai. On va essayer d'avoir une femelle. Il y en a juste une là. Parfait. Et voilà une femelle. Il y a aussi là-bas une créature, les amis, on va y aller tout de suite. Et j'ai bien fait d'avoir amélioré mon sort pour avoir plus de distance. Hein. Attendez, ça on va le faire. J'étais déjà celle-ci. Revelio. Il y en a une là-bas là. On va essayer de voir ça tout de suite les amis. À première vue, je vais pas pouvoir y aller par là. Celle qui est là-bas, je crois que je l'ai déjà faite, non ? Me semble, hein. On va quand même y aller, mais... Je crois que là-bas, je l'ai déjà faite. C'est la même. Il y a plein de coffres ici, il faudrait que je le fasse. Alors, on est là pour les créatures pour l'instant, on n'est pas là pour autre chose. Ouh, on l'a peut-être pas faite celle-ci, attendez. Je crois pas. Ça me dit rien. C'est un crapaud géant. Hop là. Allez hop, dans la poche. Celle-ci, je l'ai pas faite. C'est un crapaud violet géant. Alors, crapaud violet géant. J'ai une femelle, je vais essayer de capturer un mâle. Femelle. Ça, c'est un mâle. Voilà. Allez hop, je capture le mâle. Tout va bien à présent. Parfait. On va essayer de partir d'ici, essayer de voir si on peut pas capturer d'autres animaux comme ça. Celui-là, il est fait, on est d'accord. Là-bas, je me rappelle, mais je sais plus ce que c'est comme créature. J'ai pas souvenir. On va essayer de voir ça tout de suite. S'y faire.
Et mince. Inutile de compliquer les choses. Je ne te veux pas de mal. Je suis désolé les amis, je suis en train de faire un truc. Et voilà, qui m'échappe la créature. Trop tard. Et mince. C'est bon, je l'ai. J'étais en train de parler avec ma mère et j'avais pas vu les amis. Sorry. Faut s'y faire. C'est un mâle que j'ai. Il va me falloir une femelle. Voilà une. Et voilà. Parfait. On va essayer de voir si on n'en trouve pas d'autres. En attendant, je vais accomplir également ça. Les deux derniers sont ici. Parfait. Il y a encore un truc de créature, mais je pense que là-bas, les amis, c'est ce qu'on a fait, hein, il me semble. On va quand même essayer de voir, mais je pense qu'on l'a fait ici. Pas du tout. Ouais, je sais me battre, ouais. Je kick and badass. Voilà, j'ai pas m'embêter. Non mais, dis donc. Ils sont rapides, hein. Je pensais pas qu'ils étaient aussi rapides. C'est des dodos, ça, non? Je crois que c'est des dodos, on dirait. Dirico. C'est des dodos, ça. Je reconnais, pardi. J'ai une femelle, il faudrait un mâle. Il me faudrait un mâle. Un mâle. Un mâle. Comme lui. Excuse-moi, je me suis loupé. Et de 4. T'es dans moi. Ma petite poche. Capturée. Professeur Owen ne me croira jamais. Et pourtant, il faudra qu'il me croive. Parce que je ne suis pas un menteur. On va faire cela rapidement, les ballons. C'est juste. Chut. Je
fait. Il y a encore des plusieurs types de créatures, les amis. On va essayer de les faire rapidement. Il y a pas mal de choses ici. Hein. C'est vrai que j'avais explosé. Et j'avais explosé. J'avais exploré, je me rappelle les amis là. Je m'en rappelle très bien. Je sais pas si vous vous rappelez dans un épisode. On était venu ici, on avait fait pas mal de choses. J'aurais dû continuer, je pense, en vrai. Mais après, voilà, j'avais pas tout ça. J'avais pas assez de sortilèges pour pouvoir faire pas mal de choses. Donc c'est impossible en vrai. On passera plus tard ici. Pour l'instant, je vous rappelle qu'on est là pour les créatures. On n'est pas là pour autre chose. Il y a plein de choses quand même. C'est impressionnant. Des flaireurs. C'est une sorte de chat quoi. Flaireur, donc là j'ai un mâle, je vais essayer de capturer une femelle les amis. Je veux aucun mâle. Hop là, et c'est dans la boîte. Plutôt dans le sac. Parfait. On va essayer de continuer. Pas un autre que j'avais vu ici. Si là-bas. Je pense que pour les créatures, il faut faire zone par zone. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. Je pense pas que c'était la meilleure solution comme j'ai fait parce que j'ai fait un petit peu en zigzagant. Je pense que j'aurais dû avancer zone par zone et ça aurait été le mieux. Comme là par exemple, là je vais faire là, il faudrait que je fasse après. Et ainsi de suite. Et là vous faites toutes les créatures et vous enchaînez quoi. C'est quoi ici? Des nifleurs. J'ai déjà des nifleurs moi. Attendez, on va regarder ça tout de suite parce que je pense qu'à mon avis ça doit être dans les défis. Alors là qu'est-ce que nous avons là? Parfait, ça c'est accompli avec succès les amis. En exploration, là on a terminé également les défis avec les balais. Ah oui c'est vrai, il faudrait que je les fasse tous. Là-dessus je pense que j'ai un petit peu déconné les amis. J'aurais pu le faire bien avant tout ça. Dans les collections, qu'est-ce que nous avons? On a ça. Je pense que ça doit être bon. On a également des tenues, ça doit être bon là également. Là on a sûrement des lieux. Ce qui me paraît logique, ça aussi. Je pense qu'à mon avis, le vivarium, je pense qu'il y a aussi un truc à découvrir là-dedans. Faudrait que je regarde un petit peu. Ah mais j'ai pratiquement toutes les créatures, il y en a 13 les amis, je les ai pratiquement toutes. Boursouf. Des nifleurs, ouais je les ai déjà, des nifleurs. Ok, celui-là c'est bon. Là, je pense que ça doit être un truc par rapport à ici. On est presque. J'ai dû le passer. Ouais, c'est ça. Parfait. Et parfait. Ok. On va essayer de continuer un petit peu. Donc les nifleurs, j'ai déjà sur moi, les amis. Donc pas besoin de les recapturer. Là, c'est par rapport aux créatures qu'on a pu récupérer sur eux. Là, c'est les paires de lunettes. Je pense que c'est bon. On va essayer de se mettre également un point de talent, les amis. Je pensais peut-être dans la magie noire, honnêtement. Ça me donne envie. Je vais mettre ça. Je l'ai déjà mis. Ce qui me paraît logique. Je me suis dit, attends.
Je pense que je vais peut-être prendre la potion, ce que j'avais dit la dernière fois. Je suis à deux doigts de le faire. Est-ce que c'était là-dedans ou est-ce que c'était dans... cœur, je crois, non? Ouais. On va mettre ça parce que je me dis que si on fait des gros fights plus tard, ça va peut-être être utile pour la suite. Donc là, on a débloqué encore... Ils me disent que j'ai débloqué des défis, mais ça me l'affiche pas. Pourquoi? C'est dans quoi les amis? Qu'est-ce que j'aurais loupé? Guide du sorcier? Plus, salle sur demande. Ah voilà. Ok. C'est des nifleurs, c'est ça hein. Nifleurs. Ouais, non, mais c'est bien ce que j'ai. Hein. J'ai un doute, j'ai peur de me louper, les amis. Je me dis, peut-être que je vais passer à côté d'un truc sans faire exprès. Mais non, en fait, je les ai déjà. Là, il y a encore les papillons, ça on le fera plus tard. Pour l'instant, je suis là pour mes petites créatures. Wouah! Je te veux. Hop là. Yes. Je veillerai bien sûr. Un hippogriffe. Les autres sont partis. Mince. Pourquoi il y est pas? Je suis allé trop vite. Je peux pas capturer un hibou. J'ai tenté, hein. Il est pas, hein, il est parti. Hein. Il reviendra pas là pour l'instant. Hein. Bah, je pense que les amis, ce sera pas mal. Je pense que je vais ramener tout ça et on essaiera de continuer un peu plus tard, les amis. C'est déjà très bien pour une première, première mission avec les créatures. Allez, c'est parti. On va revenir tranquillement du coup du côté de Boudlard. Et c'est dans quelle salle? Salle sur demande. Faut que je me rappelle salle sur demande. Et dans la salle sur demande, tu vas dans le vivarium. Griffe. Faut s'y faire. Bah écoute, je vais essayer d'enlever ce que je n'ai pas besoin du coup. Du coup, on est d'accord que ça me le redonne à moi. Hein.
Ça me le donne pas, moi je crois. Je crois que carrément ça me le... ça me les revend quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de tester un petit peu. Je vais la brosser et je vais lui donner à manger pour voir ce que ça donne. Je pense qu'à mon avis, ça va me donner des plumes un peu spéciales. Exactement. Parfait. Eh bien écoutez les amis, c'est plutôt pas mal. Moi sur ce les amis, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, merci à ceux qui ont regardé l'épisode. N'oubliez pas, très important, si vous avez aimé nous soutenir, le petit pouce bleu de la famille, commentez, partagez, rejoignez les réseaux sociaux, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la fameuse petite cloche. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde, ciao ciao.